כבוד רבי אילן. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אתה אסימנו קלה. ריבונו של עולם, את רג'ה על עבירות קלות וחמורות. הצביעה לילות ברשע להתעולם. ליבי ועיניי לחתו יאותו. ושאף אין הרי לעשות הרע בעיניך יתרחשו. ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. עד חזרי אני מזכיר לפני צופה עתיד. ועוטה על פשעי וזדוני. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, תלזיף על המלכים, שאנחנו עזי פנים, שאורך. D'abord, le mérite de nous avoir réunis ici, c'est Dieu seul sait des choses comme ça, comment ils font dans le ciel. En fait, de nous réunir et de crier à Kadosh Baruch Hu, c'est un grand mérite. Il faut savoir que toute la vie, tout le monde religieux et peut-être même non religieux, je ne sais pas, il est en effervescence de ce qui se passe avec l'aide de Dieu, ce qui va pas se passer. Tout le monde est en étonnement. Toute cette semaine, Rabbanim, entre eux, s'appellent, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pas faire. Ceux-là disent comme ça, ceux disent comme ça, etc. Le grand rabbin de Nathaniel aussi était mêlé à tout ce énième-là. Et ça, Bevadaï, que toutes ces réunions-là, ils font une grande chose dans le ciel. Pas tout le temps, on est conscient de la force de la tefila, en tout cas, je parle de moi. Mais sachez-le que les choses se font dans le ciel, c'est Slichot qu'on vient de dire et cette réunion qu'on vient de faire. Des gens qui sont conscients, qui sont intéressés, des gens qui sont Sher Patlaim, ce qui se passe dans l'âme Israël, Ashrechem, Ashrechem Kechem. L'histoire du peuple d'Israël, il se divise en trois périodes. La période des Avot, où le Dagesh ou l'accent, c'est la Tfila. Ensuite, il y avait la parole de Moshe Rabbeinu, où le Dagesh, l'accent, c'était la Torah, l'étude de la Torah. Et la troisième période, c'était lorsqu'on est rentré en Eretz Israël et qui s'est concrétisé en fin de compte avec la royauté de David HaMelech. De ces trois périodes-là, on apprend comment un juif doit réagir dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il doit faire quand il y a des moments difficiles comme celui-là qu'on est en train de parler, et quand il y a aussi des moments d'élévation. Alors tout d'abord, les Chachamim nous a, comme le Rav a rappelé, d'abord, il y a la tefila à Dieu. Sans lui, on ne peut pas trop bouger. Okay? Il y a une tefila à Dieu. On est intéressé. Jusqu'à que la tefila peut arriver à cette phrase-là, l'oleman et non, et l'alemancha. Si tu n'agis pas pour nous, peut-être on n'est pas assez méritant, on n'est pas toujours assez méritant, fais-le pour toi, pour ton grand trône.
Lorsqu'un juif il dit ça, lorsqu'un juif il ouvre son cœur à la Kadosh Baruch Hu, bevadaï qu'il y a des événements qui se passent. C'est pour ça qu'on en est Israël, parce qu'on a crié, on a fait des tfilotes, et les tfilotes ont fait ce qu'ils ont fait. Mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas contenté de la tfila, et nous a dit la période des Avot qui est marquée par la tfila, Avraham tiken shacharit, Yitzhak tiken mincha, Yaakov tiken arvit, etc. On est la Torah, la période de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la Torah? La Torah c'est la chokhmah de Dieu, chokhmah Hashem, la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la Torah? C'est le modèle de ce monde. Comment doit apparaître ce monde-là? Kadosh Baruch Hu, Ra'a ou Raita ou Bara Alma? Kadosh Baruch Hu, il a vu la Torah, il a créé le monde. Okay? Le modèle de ce monde, c'est la Torah. Tu veux savoir comment marcher dans ce monde-là? Okay? Regarde la Torah. Et dans cette Torah-là, il y a un ordre. Seder Asa Hashem Be'olamo. Dieu, il a mis un ordre dans son monde. Et on ne peut pas changer cet ordre-là. Comme dans cette fameuse dispute entre Moshe et Yaakov et Korach s'est disputé tout seul, car Moshe ne dispute pas. Mais Yifchar la fort est à Erev, le Boker est à Boker, le Erev, il y a un ordre. La Torah nous a bien dit, dans cet ordre-là, on doit marcher selon cet ordre-là. On doit calquer notre vie à la Torah, qui est le programme du monde. Et la Torah nous a dit qu'il y a un homme et une femme se marient, ils sont ensemble. Kikar Ishisha, c'est l'ordre. La Torah nous interdit Mishkav Zachor. Un homme avec un homme. La Torah nous interdit un Hashem sous la lotte, une femme avec une femme. La Torah nous a donné un ordre. Comprends, comprends pas. Kadosh Baruch Hu, c'est le maître de ce monde. Et il faut aller selon les règles de ce monde-là. Ça, c'est la Torah. Et ensuite, Kadosh Baruch Hu ne s'est pas contenté de nous donner la Torah. Dit cette Torah doit se concrétiser dans une royauté. C'est quoi une royauté? C'est la Malchut. C'est la royauté d'Israël. C'est concrétisation de David Améler. Très bientôt, ma chère Tzidkenu Bezalach. Qu'est-ce que rajoute l'entrée en Eretz Israël à la Torah? Même c'était l'exclamation même des Meraglim. On a un monde, on a une Torah qui nous fait vivre une vie théorique terrible. Où on va, la Torah nous dirige comment y aller. Pourquoi maintenant on doit la concrétiser dans une terre où il y a toute la haïda dans cette terre-là? Les Knaanéens, et les l'adultère, et le meurtre, etc. Et des guerres, et il faut cultiver, etc. Mais Akadosh Baruch Hu a pensé autre chose, autrement. Okay? Yakanire, cette Torah-là, elle doit se concrétiser dans la vie de la royauté. Dans toutes les rencontres de la vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant d'avoir une Torah théorique, comme Dor à Midbar, okay? Que là-bas c'était une Torah théorique, une Torah magnifique. Hein? Sans elle, on n'aurait rien pu mettre en pratique. Mais Akanire, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé ce monde, il ne s'est pas contenté d'une Torah théorique, il a voulu que sa Torah se concrétise dans le monde du Maasé, dans le monde de la pratique. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la Torah, on la calque dans le monde de la pratique. Ouais, mais pas tout va bien comme on le veut des fois. Des fois, il y a des surprises, des fois, il y a des événements, des fois, etc. Bon, alors la Torah nous dit, j'ai donné toutes les réponses. À toi, te casser la tête, fais une Torah chez Béalpé, vous les Chachamim, faites une Torah chez Béalpé, et donnez des réponses à toutes les tombées, Chas v'Shalom, que va avoir l'âme Israël. Est-ce que la Torah a parlé de toutes les tombées? Va bien que la Torah. Mais la Torah, elle s'est contentée rien qu'un homme avec un homme, c'est interdit, une femme avec une femme, c'est interdit, etc. Pas plus que cela. Qu'est-ce que doivent faire les Chachamim? Les Chachamim doivent réfléchir. Comment concrétiser des événements qui sont difficiles à digérer, à vivre? Comment? Peut-être que s'ils nous disent, faites la mettre de la chôte, ça va être plus facile. S'ils nous disent de faire la tfila, de mettre les tfilim, ça va être plus facile. Et là aussi, il y a des discussions. Et le Talmud, il est rempli de toutes ces discussions. Et quand il nous dit, réagissez devant une situation comme celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pas avec l'aide de Dieu, comme celle d'aujourd'hui, etc. Comment on doit réagir? D'un côté, comme le Rav l'a précisé, Toeva, Touma, des tombées, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on est même dépassé. Comment les gens me disent des fois, on est dépassé, c'est parti trop vite là. C'est parti trop vite, il y a comme une déconnexion entre les deux générations. Il y a une génération qui est nous, qui est la nôtre, que tout était plus ou moins à l'éclair, etc. Malheureusement, on a rencontré la galoute aussi qui nous a fait ce qu'elle nous a fait. Mais là, on est dépassé, là. Ça va trop loin, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? D'un côté, on est dépassé. Alors, quand on est dépassé, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Vadaï qu'on fait en cri, comme on l'a fait aujourd'hui. Vadaï qu'on dit des drachotes, comme on le fait aujourd'hui. Mais comment on fait faire passer ça dans le monde de la pratique? Comment on donne des réponses à nos enfants? Sans trop leur parler de ça, pour pas qu'ils soient touchés. Que ça les préoccupe. Mais on voit que ça préoccupe. C'est dans la vie, dans la société. Et on peut pas être étranger de ce qui se passe dehors.
Quand il a dit Yosef et Tzadik, ils ont l'apparence, un homme et un homme, mais c'est nos frères. C'est nos frères. Une femme, mais c'est nos frères, etc. Et quand on peut être étranger de ce qui se passe, alors peut-être qu'on va prier pour eux. Peut-être que toute notre Torah elle protège. Mais il faut leur donner aussi des réponses. Il faut aller dans la rue, on est tous dans la rue. Si on est à Natania et pas dans, dans un endroit, dans un ghetto fermé, c'est parce qu'à Natania, on rencontre. On rencontre nos enfants, on rencontre des gens, on rencontre dans le café, on rencontre dans la plage, on rencontre tous ces gens-là. Et on discute avec la société israélienne. On n'est pas étranger de ce qui se passe. Alors, vadaï que celui qui veut donner des réponses, il ne doit pas se contenter d'une Torah générale, mais d'une Torah particulière. Il y a un docteur général, généraliste, et un docteur spécialiste. Là, il y a une spécialité à comprendre. C'est quoi cette détresse que se trouve cet homme qui cherche son amour avec un autre homme, cette femme avec une autre femme? C'est quoi cette détresse là? Qu'est-ce qui s'est passé dans son foyer là? C'est quoi les tombées? Qu'est-ce qu'il a vu à un papa quoi? Être méchant, tu vois, hein, une maman ne fait pas tout ça à lui. On lui a pas séduit de l'amour de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il trouve maintenant que la société, que la Torah, c'est des joues. On lui donne des limites et il veut chercher sa liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas été assez séducteur avec la Torah? Pourquoi la maison n'a pas été pleine de vie qui me disent « Ah non, une maison de Torah, c'est ce que je, c'est mon choix. » Pourquoi il est parti dans une vie qui est tellement étrangère? Il y a un mal qui est là-bas. Une fois, je me suis retrouvé devant cette situation. Une maman avec sa fille qui va avec des filles, etc. Plusieurs fois. Et je suis parti voir notre mère, vraiment de Khalil, dit, quoi réagir? Comment réagir? Va, Rav. Je sais pas, moi, quand même, il est de Philim. Je lève mon téléphone au Rav Abdecha qui me dit la réponse. Au Rav Yitzhak, au Rav Yitzhak, ou à moi-même, je l'évite. Mais comment je fais? Qu'est-ce que je lui dis? C'est pas bien. Mais je l'aime. Et elle me disait, mais je l'aime, Kvod Rav, cette fille-là. C'est ma meilleure compagnon. La Torah, elle m'a mis une limite qui ne me paraît pas comme cela. C'est des limites, mais c'est des limites que je n'aime pas. Comme dit le Rav Kook, il faut transformer ces limites en amour. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qui, c'est quoi cette Torah là qui fait en sorte que c'est limites, c'est un amour? Alors qu'est-ce qu'il m'a dit le Rav Mordechai Elia? Il dit, écoute, on n'a pas d'autre solution que toi et sa mère lui parlent. Il faut parler à son cœur, qu'il y a un abri. Ne les montre pas d'un doigt, ils ne vaut plus rien, ils sont en dehors de toute notre vie. Ils sont là, ils ne sont pas en dehors, ils sont là. Ils sont avec nous. C'est vrai qu'il ne faut pas être d'accord, on n'est pas d'accord. On proteste, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mais il faut peut-être aussi avoir une Torah qui s'approfondit. Il y a beaucoup à dire, on n'a pas assez de temps. Je vais finir par dire, okay, je vais finir par dire une idée du Rav Kook. Le Rav Kook, il explique qu'à la fin des temps, à l'approche du Mashiach, toutes les maladies se dévoilent. On n'aurait pas espéré qu'il y aurait... On aurait espéré, bon, mais la réalité dit autrement. Qu'on vient en Eretz Israël, chacun avec sa maladie, juifs français avec leur maladie, juifs américains avec leur maladie, avec leur bon côté aussi, hein, juifs éthiopiens avec leur maladie, juifs russes avec leur maladie, ceux-là ils sont trop froids, ceux-là ils sont trop chauds, ceux-là ils implaisantaient, ceux-là. On est bien en Eretz Israël, tout le monde se rend compte. Quoi, on espère que tout va bien. Tic-tac, tic, ouh, la terre d'Israël. Et là, ce sont gens qui critiquent la terre d'Israël, ce n'est pas la terre d'Israël qui les a rendus comme ça. Ils sont tous venus, 2000 ans, ils sont venus comme ça. Donc tout le monde est venu avec les maladies. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi, à l'approche du Mashiach, il y a toutes les maladies qui sortent pour les guérir, moral de la beauté. Pour les guérir. Shmuel HaMelech nous dit, il traite à or, mina chosher. Tu vas arriver à la lumière dans la nuit. Il faut que tu rencontres la nuit. C'est ça la mala du Chozer Bitshuva sur le tzaddik. Shafilu tzaddikim gomorim lo yacholim la'amod befenam. Le Baal Tshuva, et on est tous Baal Tshuva quelque part. On a connu c'est quoi la galoute, et on connaît aussi, ici aujourd'hui toutes les épreuves. Quelqu'un qui est Baal Tshuva, il peut parler de son expérience. Dieu nous montre une épreuve nationale. Que nous, on est tous Baal Tshuva, comment réagir de ce rocher? Quel or va sortir? Quelle lumière va sortir? Et pourquoi c'est juste avant l'approche du Mashiach? Parce qu'à l'approche du Mashiach, toutes les maladies doivent se régler, Moral Rabotai. Ceux-là, ils sont malades de ça. Il y a d'autres maladies, à part de ces gens-là qui défilent. Il y a d'autres maladies qui sont dans la société seule. Il y a les tromperies, il y a les menteurs, il y a les voleurs, il y a ceux qui travaillent dans le faux, il y a ceux qui travaillent... Il y a plein de maladies hein, qu'il faut traiter. Mais celle-là nous paraît étrangère, donc elle nous prend peut-être plus à cœur que d'autres. Celle-là, c'est un ridouche. La Torah, elle s'est méchadéchet, elle s'est aussi donné des réponses. À l'approche du Mashiach, on se trouve dans une situation
de cette situation. Que toutes les maladies se viennent pour qu'il sorte. Et à Egel, à Cher, à ça, à Aaron. Tu veux une médaille, Aaron? Oui, je veux une médaille. Moshé, je t'ai dit déjà que le peuple, il ne se sent pas bien. Tu préfères que le cancer soit à l'intérieur ou à l'extérieur? J'ai sorti le cancer. Mais voilà, ils ont fait le veau d'or. Je l'ai sorti le cancer. C'est un peuple qui fait le veau d'or. Maintenant, on peut le traiter. À nous le traiter. Comment on le traite? Dans le Beit HaMidrash, avec ta parole, en expliquant, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de hanava, d'humilité, avec beaucoup de sympathie. On a la sympathie. Tout le monde, en n'étant pas d'accord, on a sympathie pour tout juif. Tous les juifs sont nos amis. On ne se balade pas avec tout juif, parce que des fois, il y a pouvoir un contact qu'il ne faut pas. Et je crois, et je finirai par ça, c'est ce que dit la Gemara. Dans la Gemara, elle dit comme ça, les Chachamim se sont réunis, les membres du Talmud se sont réunis, et ils ont dit, comment on va réagir? Est-ce que ça vaut le coup d'être à notre temps, au temps que le Mashiach va se dévoiler très bientôt avec l'aide de Dieu? Est-ce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Alors, deux ou trois Chachamim, ils ont dit là-bas, Yete Velo Achmine. Qui vient, le Mashiach, Baruch HaBa Bek. On t'a langui, comme il dit dans Mordechai Eliyahu. Quand le Mashiach va venir, je vais lui dire, pourquoi tu as tardé? Baruch HaBa Bek, Mashiach, on t'aime, on t'était là, etc. Mais moi, je ne veux pas être dans cette histoire-là, dans cette Haïda-là. Je ne veux pas être. Dit Rav Yosef, dit, tu veux que le Mashiach, et moi je veux qu'il soit dans le Mashiach, et Chutz Mikvod HaMakom, et du Echal HaKodesh, il dit, et Iratson, même si je dois être dans l'ombre des excréments, de l'âne du Mashiach, je vais être dans cette génération. Qu'est-ce qu'a vu Rav Yosef que les autres n'ont pas vu? Pourquoi il dit, je ne veux pas être Haïda là, défilé, Haïda, tu sors de la rue, il faut faire attention à ses yeux, bientôt l'été, il faut faire attention à ses yeux, à sa pensée, etc. Moi, je vais être c'est difficile pour moi, Haïda. Je ne veux pas. Qu'est-ce que Rabbi Yosef dit? Je veux être, même à l'ombre de, je veux être dans cette génération. Qu'est-ce que Rabbi Yosef a vu que les autres n'ont pas vu? Les Chachamim nous disent, quand Rabbi Yosef était à la maison, sa maman venait, elle monte des escaliers, elle rentre dans le Beit HaMidrash Yismach Moshe, elle rentre, et il s'assied, il dit, je me lève. Il dit, regarde, ça va, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Non, la Shekhina est arrivée. C'est pas la Shekhina, c'est ta mère qui va faire la Pkelia bientôt. Non, c'est la Shekhina. C'est une Kanire. Alors, elle va faire la Pkelia maintenant. Non, c'est la Shekhina. La Shekhina. Vous voyez le corps de maman, moi je vois la neshama de maman. La neshama de maman, c'est la Shekhina. Rav Yosef, il voyait les choses dans leur intérieur. Morai Rabotai, on peut voir ces événements négativement, il faut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça fait. Mais il y a un mouvement intérieur que Rav Yosef nous a enseigné, que la Géoula est en train de se préparer, la Géoula est très très proche. Tout sort pour que tout soit guéri. Il a du travail le Mashiach, certes. Mais nous, entre-temps, on va essayer quelque part, Smor et David, et Tsukat David, Nanofelet. Quelque part, on va essayer de l'aider. Mais les événements se passent. Il ne faut pas qu'ils se passent. On fait tout pour les arrêter. Mais ils ne sont pas annonciateurs de quelque chose de mauvais, Chas v'Shalom. Ils sont annonciateurs de la Géoula d'Israël. Profondément, quand on voit les choses profondes. Parce que, Baruch HaShem, devant ce monde-là que c'est nos frères, il y a tout un monde de Torah. Regardez ce Beit HaMidrash, le Midrash du Rabbi Yitzhak, du Rabbi Dan. Regardez Baruch HaShem, comment. Nathanaël est rempli de Torah, de synagogues, de cours, de Beit HaMidrash. Tout Israël, c'est comme ça. Baruch HaShem. Il y a un grand monde de Torah qui se réveille. C'est ça l'accent. C'est la lumière qui va chasser la nuit et nous, on va faire notre possible. On prie à Kadosh Baruch Hu pour terminer. Bezat HaShem, qui nous amène à Géoula Shlema, qui est pitié de son peuple, qui imlon emaenenu et l'alemaantra. On est avec toi, Kadosh Baruch Hu. On ne te laisse pas. Ne nous laisse pas. Bezat HaShem Yitbarach. Sois avec nous et rapproche. La Géoula, la construction du Beit HaMikdash, Bimira, Bamenu, Amen. On va inviter Rabbi Yitzhak, Yedidi, mon associé, au Be'ezrat Hashem, continuer à faire éclairer la lumière de la Torah, Natania. Et nous espérons, Be'ezrat Hashem, comme a dit Rabbi David Shelita, on ne peut chasser l'obscurité que par la lumière. C'est en essayant de construire pour la jeunesse, des structures qui pourront leur permettre de vivre intensément le judaïsme, avec plaisir, que ce ne soit pas juste une Torah théorique, une Torah distante, mais une Torah vécue au plus profond de soi, que les foyers
familiaux, soit des cocons dans lesquels l'enfant s'épanouit dans la Kedusha, dans la Torah, la manière la plus naturelle qui soit pour mériter, en effet, comme a dit le Rav, Be'ezrat Hashem, la Geoula Shlema. Amen. Amen, Keni Ratzon. Toda Rabba, Kvoda Rav, de Kvoda Rabbanim, Birchutrem, représentant de la mairie. Ce n'est pas une manifestation. Parce que si c'était une manifestation, alors elle n'est pas réussie. Il fallait beaucoup de monde. Une contre-manifestation. On n'est pas du tout dans une contre-manifestation. On est simplement dans une chose. Je vous remercie à vous tous d'être ici aujourd'hui. C'est pour une seule chose. Quand il y a, chas v'shalom, une transgression de ce qui est marqué dans le Sefer Torah. On n'est pas dans l'orthodoxe. On est dans le Sefer Torah. Alors il se doit de refroidir ce qu'on appelle Midat Hadin, une transgression, en liberté devant tout le monde. Alors, même s'il y a quelques personnes qui se mettent dans un endroit et qui prient, cela refroidit la Midat Hadin. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde avec un bon oeil, et nous, notre ville, c'est la ville de Natania. Il y a des gens ici, il y a des femmes, il y a des enfants, et il faut que cette Midat Hadin se calme. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a dit le Rav, il nous a regardé dans le ciel. Il a dit, Bémet, ouais, il y a des gens qui font des bêtises, il y a des gens qui transgressent le Sefer Torah, mais il y en a d'autres qui sont là et ils n'ont pas accepté ce qui est en train de se passer. Et je voudrais vous dire juste une chose, je vais être très court. Vous savez que la Gemara ramène, il y avait un roi juif qui s'appelait Yanaï Amelech. Yanaï Amelech venait de la tribu des Hashmonaïm. C'était parmi les derniers rois qu'il va y avoir avant la destruction du deuxième temple. Et Yanaï Amelech est devenu ce qu'on appelle Tzedoki, vers la fin de sa vie, Sadducéen. Et d'ailleurs, avant sa mort, il était quand même assez contrarié à savoir qu'est-ce qui va devenir avec ses enfants, est-ce qu'on va les laisser, oui ou non. Et donc il a appelé sa femme, et il lui a dit à sa femme, regarde, je voudrais te donner un gros conseil. Ne te méfie pas des prochains, des grands religieux. Et les grands religieux ne te feront pas de mal. Ils crient, ils font des manifs, mais bon, ils sont très gentils. Ne t'inquiète pas d'eux. Ne t'inquiète pas de ceux qui sont complètement de l'autre côté. Ça veut dire ceux qui sont les laïcs complets. Ceux-là, les laïcs, ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à autre chose, à leur vie. Ne t'inquiète pas, ils ne vont rien te faire. Surtout, surtout, tu dois t'inquiéter des tzvoïm. Je ne parle pas par rapport à ce qui se passe ici, qui sont bariolés. Non, tzvoïm, ça veut dire en couleur. Mais ce n'est pas ça. Les tzvoïm, il va lui expliquer. Alors nous, on appelle ça les hypocrites. Mais il va pas s'arrêter là, il va lui dire, ceux qui font les actions de Zimri, tiens, c'est la paracha de cette semaine, et ils vont demander la récompense comme Pidras. Moi, je me suis toujours posé la question. Quelqu'un qui fait l'action de Zimri d'apporter une prostituée dans le camp, il peut demander une récompense comme Pidras. Soit on parle d'ici d'un grand malade qui doit aller prendre des médicaments. Et la Torah ne parle pas de ces gens-là. Le Talmud ne va pas porter une histoire qui ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il existe quelqu'un qui va faire des actions comme Zimri et il va demander, il va exiger de tout son cœur d'être récompensé comme une race. Vous en connaissez, vous, des gens comme ça? C'est la plus grande schizophrénie qui peut exister dans le monde. Mais je ne pense pas que la Torah voulait parler de ces gens-là. Rav Chaim Zonenfeld, qui était le grand rave de Yerushalayim, il a expliqué la chose suivante. Le débat qu'il y a eu dans le désert à ce moment-là, dans la paracha de cette semaine, c'est le même débat qu'on a aujourd'hui. Il y avait une question qui était la suivante. On laissait les jeunes partir, on les voyait sortir du camp. Et là-bas, comme il expliquait le Rav, il va se passer deux choses. L'une, ils vont faire la Avodah Zara. Et le deuxième, la prostitution. Zimri ben Salou n'était pas quelqu'un de simple. Un grand gadol, Anassi, vous vous rendez compte, Anassi qui va amener une prostituée dans le camp, il est fou. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou. Non, il est venu avec une idée, mais géniale, géniale, une idée de Torah. Il était à ce moment-là dans une réflexion toranite de la plus haute importance. Si on peut éviter la Avodah Zarah. Ah bon, comment? On va faire entrer les prostituées dans les camps, dans le camp. On va légaliser la prostitution. Hein? Tu veux légaliser la prostitution? Oui! Mais que grâce à la prostitution, il n'y aura pas la Avodah Zarah. On aura gagné déjà la Avodah Zarah.
Extraordinaire. Extraordinaire, c'est beau. Mamache, un tzaddik. Un tzaddik. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Béhémet, il a raison. Et si on peut légaliser, on légalise. Pour ne pas, parce que c'est nos frères. On devrait légaliser pour qu'ils restent peut-être à côté de nous. On devrait légaliser. Légaliser, ça veut dire quoi? Tu veux prendre le Sefer Torah? Tu vas enlever toute la paracha? Kadosh Baruch Hu, il a interdit l'homosexualité, tu vas enlever? Non, tu veux. Non, la Torah, c'est la Torah qui doit, elle, se mettre à la sauce de l'ambiance actuelle. Voilà le débat, le même débat. Qu'est-ce qu'on fait? On légalise la prostitution dans le camp. Au moins, on garde nos jeunes. C'est beau. C'est très beau. Il y a eu un seul qui s'est réveillé à ce moment-là. C'était Pinchas. Et Pinchas, il a dit, il n'y a aucune. Si on légalise une chose, on a terminé avec la Torah. On a terminé avec le peuple d'Israël, on a terminé avec les Juifs, on a terminé avec Israël, on a terminé avec tout. Le seul. Le seul qui a compris que le génome du Ham Israël, c'est qu'il n'y a aucune légalisation. Tu peux faire tes légalisations, tu peux être libre avec ta vie, faire ce que tu veux de ta vie. Mais tu ne vas pas les décider sur le Sefer Torah si tu le légalises, ou tu le modifies, ou tu le changes. Si on change une lettre du Sefer Torah, on a terminé avec le Ham Israël. Et comme il a dit le Rav, le peuple d'Israël était à ce moment-là menacé de disparaître. À Kadosh Baruch Hu, il a dit le projet du peuple d'Israël, à partir du moment qu'il y a une légalisation, moi j'ai terminé, on extermine tout le monde, on a fini avec la Torah. On ne légalise pas. Ça n'existe pas une légalisation de la Torah. Tu veux légaliser ta vie, légalise, fais ce que tu veux de ta vie. Mais tu ne peux pas légaliser sur le Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, qu'est-ce qui est marqué? C'est interdit. On fait comment? Oui, mais vous savez, monsieur le rabbin, il faut que la Torah s'ouvre à la société. Le monde a changé. Ben, prends le Sefer Torah et vas-y, commence à couper des pages. Et enlève. Par rapport, en fonction de ce que tu auras. Et puis tu diras, ben, il faut quand même trop fermer la Torah. Ces orthodoxes, ils sont trop durs, trop fermés. Ben, Bontaï, il faut savoir une chose. Pinchas a été le seul qui a compris à ce moment-là. Mais c'est peut-être ce qu'on fait un petit peu maintenant ici. Non. Non, c'est assourd. Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas l'autorisation, il faut la demander à Dieu. Si Dieu veut nous envoyer un autre Sefer Torah 2019, qui nous envoie Sefer Torah 2019, on l'acceptera. Mais on ne peut pas. Pour l'instant, on a le Sefer Torah qu'on a reçu, que mon père il a reçu de son père, de son arrière-grand-père, jusqu'à mon cher Rabbi. On fait comment? On fait comment? Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont lui dire à Pinchas la semaine prochaine. Ils vont lui dire à Pinchas, mais bien sûr, toi, ton grand-père, il était Mefatem, il engraissait des veaux à la Avodazara. C'est pour ça que toi, la Avodazara, t'as pas touché, mais nous, on avait une idée géniale. La Avodazara, on voulait l'éliminer, on voulait faire entrer la prostitution, t'as pas compris. Voilà. Le même débat que nous vivons aujourd'hui. Et ce débat-là, aujourd'hui, il est très grave. Un de mes fidèles dans ma synagogue m'a raconté que il a un ami à lui qui habite pas dans cette ville, dans une autre ville. Il a un fils de 8 ans. Ou 9 ans, il est rentré à la maison le petit le soir. Il était dans un mutisme, il n'arrivait pas à parler. Son père, il a compris qu'il lui est arrivé quelque chose. C'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Rien, il ne veut pas parler. Jusqu'à la fin, ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures, il s'est assis avec lui. Il a dit, papa, je vais te demander une question. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, la Mora en classe, elle nous a dit qu'on peut se marier avec des hommes et qu'on a le droit d'embrasser des hommes. Comme les femmes, c'est la même chose, on peut faire ce qu'on veut. À un garçon de 9 ans ou 10 ans. Il est parti le lendemain, il a fait un scandale, un Français. Un scandale monumental devant l'école. La Revacha lui menace. La Revacha le menace de lui prendre les enfants. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez quoi? Qu'on dise? Non! Chut, faut pas parler. Chut, la liberté de l'expression. Mais cette liberté, elle a tué la liberté. Est-ce que moi, je viens avec un Sefer Torah? Les Havdil et les Fafar Dalot. Et je vais y aller dans leur boîte de nuit, je vais ouvrir le Sefer Torah, et je vais faire mes autres Torah tous les soirs. Je les respecte. Et le minimum du respect, c'est quoi? C'est que moi, j'ai des convictions comme eux, ils ont les leurs. J'ai mes convictions. Pourquoi me mettre leurs convictions devant mon visage? Et devant mes enfants, et devant mes petits-enfants.
pour que eux, pour que mes enfants et mes petits-enfants, à Dieu ne plaise. On va leur dire que c'est normal, d'abord même de parler sur ce sujet, il y a 20 ans, 30 ans, c'était tabou. C'est même plus tabou, je vois les jeunes qui parlent de ça, comme ils parlent de garçons avec des filles, c'est plus tabou. Quand ils comptent l'évolution, quelqu'un m'a montré un livre de blagues qui avait été fait en France par un de ceux qui faisaient les blagues. Il en avait là-bas, il y en avait 100 sur les homosexuels. Aujourd'hui, ce livre-là, vous le faites sortir dans le marché, vous allez en prison tout de suite. Évolution de la liberté de la société sur le compte d'une autre partie de la société. C'est tout. Et on n'a rien le droit de dire. Il ne faut surtout pas parler. Surtout pas dire un mot. Parce que, attention, de parler sur les gens qui ont encore des valeurs, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir dans les journaux, fais-toi plaisir. Mais fais-toi un kiff. Et si tu peux parler sur les religieux, alors encore plus. Et si tu peux dire qu'à Natalia, il commence à avoir un peu trop de drama, attention à la ville, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si on va dire, nous, qu'il y a dans cette ville-là, aujourd'hui, et que mes enfants vont passer, mes petits-enfants, et que peut-être leur tendance aujourd'hui n'est même pas encore affirmée, et qu'en voyant ça, et en légalisant ça, on veut quoi? Que nos petits-enfants tous deviennent quoi? Des homosexuels? On n'aura plus d'enfants? À Dieu le plaise? Il faut dire les choses! Il faut dire les choses! On accepte! Il ne faut même plus parler! Et au contraire, ça devient même très mignon. Ces manifestations mignonnes, ils sont gentils, ils sont inoffensifs, ça devient très mignon. Voilà. Voilà les... c'est ça qui me gêne. C'est pas de Hazé Shalom comme il a dit le Rav Nakash, c'est nos frères. On n'a pas de haine sur eux. Miskenim, on n'a pas de haine sur eux. Mais s'il reste encore un rempart dans la normalité d'une vie humaine qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Ah, parce que maintenant on est devenu très intelligent. Cette génération est devenue en 2019 très intelligente. Tous nos parents, nos arrière-grands-parents, étaient des ânes. À Dieu le plaise. Voilà, voilà. Il n'y a aucun problème. Non, aujourd'hui, ils ont découvert des choses extraordinaires. Alors, on fait comment? On accepte. Et mieux que ça, peut-être qu'on les laisserait. Et peut-être l'évolution, c'est quoi? C'est de les marier à Massina. Et puis quoi? Et puis, alors la suite. Où elle va la suite? Heureusement qu'il a dit Rav Nakash qui nous a prévu que le Mashiach, il va arriver bientôt. Amen. Il va arriver bientôt le Mashiach parce que Kohev les enlève. Pas Kohev les enlève maintenant sur eux. Ils font leur vie. On les attend. Ils font leur vie. Mais une chose. On a une société, on a encore des enfants, on a encore des petits-enfants. Je plains ceux qui ont encore des enfants et des petits-enfants. Qui sont encore petits. Comment ça va se passer? Si dans les écoles aujourd'hui, les morotes et les morimes peuvent dire que c'est tout à fait normal. C'est normal, tu choisis avec qui tu veux. Avec un homme ou avec une femme, tu choisis. Il n'y a aucun problème. C'est autodava. Il n'y a pas de différence. Fais comme tu veux. Alors, c'est-à-dire que la société qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui était une société qui était complètement dépravée. Et c'est la nouvelle société, celle d'aujourd'hui, qui est la meilleure. Elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Fais ce que tu veux. Et pourquoi tu l'imposes aux autres? Fais ce que tu veux, mais laisse-moi faire grandir mes enfants. Pour qu'un jour j'ai des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Quoi? C'est la normalité. Maintenant, être normal est interdit. Bientôt, être normal dans la loi, ça sera interdit. Et que peut-être dans les écoles, il faut au contraire promouvoir cette liberté. C'est beau. Promouvoir cette liberté. Vous voulez quoi? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Une image que quelqu'un m'a dit à la synagogue, il m'a dit, il m'a fait peur quand il m'a dit cette image. Il m'a dit, Rav, celui qui a 4 ou 5 garçons, un jour il aura... sur sa table de Shabbat. Hachem Irachem, où est la normalité? Quoi, on est des extrémistes? On est des extrémistes, nous qui prenons une vie familiale normale, on est des extrémistes. On est devenus des gens qui sont mauvais. On est devenus des gens qui rejettent la société. On n'est plus dans la société. On n'est pas dans la cité. Comment c'est possible une chose pareille? Alors, Rabotai, dans vos communautés, avec vos amis, gardez la liberté de parler. Quoi, c'est devenu un sujet qu'on n'a plus le droit de dire qu'on est contre ça? Regardez comment on est arrivé à un système dans la société. On nous impose aujourd'hui leur liberté à eux contre la nôtre. Et voilà. Et c'est fini. Et pourtant, notre liberté, elle a été celle depuis 6000 ans presque. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? En 10 ans, 15 ans, regardez la mutation de la société. En 10, 15 ans. Et la suite, ça sera quoi encore? J'ai fait quand même attention de ne pas les attaquer. Parce qu'on peut... On peut se retourner sur moi, l'État peut se retourner sur moi demain, que j'ai dit des propos qui étaient homophobes. Vous vous rendez compte? Voilà.
Mais par contre, contre les rabbins, contre les religieux, vas-y, fais ton plaisir. Allez, vas-y, tant que tu peux, encore, quand la mosif, mosifimlo, encore plus. Où est la logique de tout ça? Alors, cette initiative, elle a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il faut réveiller. Parce qu'on est en train de s'habituer, nous. Réveiller. Il faut réveiller le regesh de se dire une chose. La Torah, elle va pas. Le Sefer Torah, elle va pas changer. Il a dit le Rav. À Kadosh Baruch Hu, il a pris le Sefer Torah. C'était le plan pour créer le monde. Qu'est-ce que tu veux maintenant qu'on fasse? Tu veux quoi? Tu veux maintenant prendre le Sefer Torah, dire que le Sefer Torah, il est dépassé? Parce que ta vie, elle est devenue une vie de fou. Donc le Sefer Torah, il est dépassé. Chasvi Shalom, Chasvi Chalila. C'est ce qui a fait que nos ancêtres ont pleuré tous les jours d'être dans ce pays-là. Parce que ce pays-là, c'est le pays de la Torah, c'est le pays d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce pays, il a un seul but et unique. Parce que c'est le pays d'Hachem. Et Bourré Olam, c'est lui qui a donné le Sefer Torah. Allez, ouvre le Sefer Torah, regarde qu'est-ce qui est marqué. Trouver une cohésion dans sa vie. Trouver une cohésion dans sa Avodat Hachem. Voilà. J'espère que Bezrat Hachem, que cette manifestation d'aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu irachem aleinu, amen ken yiratzon. Rabbi Ilan de Kiryat HaSharon, on a eu le plaisir d'entendre aujourd'hui, et qui va clôturer les séances d'intervention, et que tout cela pèse très lourd sur la balance des mérites du Rav Israël. Amen. Je fais exprès de mettre en direct Mishut à Rav Daniel Belchak, Rabbi David Nakash, Rabbi Israël Cohen, messieurs les responsables de la mairie, Monsieur Mora Rabotai. Une seconde. Quelque temps, tous les matins, j'émets une chronique quotidienne sur Facebook avec une question d'Alakha et je réponds. Une fois, j'ai reçu une question d'un homme, je ne sais pas si il était gay ou pas. La première question, est-ce qu'un gay peut faire partie du minyan? L'Alakha a statué. Pour les étudiants qui sont dans la salle, c'est facile à se rappeler. Chapitre 55 du Shulchan Aruch. Ora Chaim, Alakha numéro 11. Ah ça, j'ai pas cherché plus. Que un homosexuel peut faire partie du minyan sans aucun souci. Et j'ai rajouté qu'il fallait prier pour sa réfoua. Alors non, une tonne de commentaires sont tombés sur ma page. Comment vous pouvez parler comme ça? On dirait qu'ils sont malades. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont malades. Mais c'est pas une maladie contagieuse, en tout cas on n'espère pas. C'est de pouvoir comprendre que le chemin que Jéhovah nous a tracé, c'est celui qui est marqué dans la Torah. Et aller contre ce qui est marqué dans la Torah, ça veut dire rejeter le projet divin qui a pour durer 6000 ans. Alors je pense que Rav Adelchak, il a eu une inspiration prophétique. On dit que, depuis tout à l'heure, on parle de Pinchas, que Pinchas est Eliyahu. Je pense qu'Eliyahu Hanavi, il est venu chez Rav Adelchak pour lui dire qu'il faut faire cette organisation. Et comme ils ont décidé eux-mêmes, ils ont un peu de Ruach HaKodesh, de le faire ce vendredi, la veille, Shabbat Balak. Et on parle de Pinchas depuis tout à l'heure que c'est Balak, mais Pinchas va être la fin de la paracha et qui va donner naissance à la paracha qui suivra. Mais tout à l'heure, je parlais en écoutant Rav Nakash, Rav Cohen, Rav Belchak, je dis Pinchas quand même, ils parlent tous de Pinchas. Alors je dis, à travers nos noms de famille ou nos prénoms, on peut trouver Pinchas. Alors, paix, c'est Fitoussi, le Yud, c'est Israël Cohen, le Noun, c'est Nakash. Alors, je dis, pour Rav Belchak, comment je vais faire? Alors, tu sais que Pinchas, si on dit Pinchas en Dikdouk, Rav Mazouz dit que si on dit Pinchas, il n'y a pas de Yud. S'il y a le Yud, alors c'est Pinchas. Alors Pinchas, le Yud, on va l'enlever pour le mettre au Samer. Et en comptabilité, Samer, 60 plus 10, Yud, ça fait 70, ça fait rien, ça fait Adelchak. Et au moins les quatre, on est réunis pour lutter contre cela. Non, c'est vrai aussi que Rav Nakash, qui est notre maître et notre, je dirais, notre parrain, si je peux m'exprimer ainsi, dans notre shul à Kiryat HaSharon, est là depuis
30 ans, 40 ans, on compte pas. Moi, il y a moins de chiffres. Mon cher ami et Rav Yitzhak Cohen, depuis plus de 20 ans qu'on est amis, puisqu'on était déjà collègues et amis pendant plus de 20 ans à Créteil. Il a fait sa lia il y a 2 ans. Et Rav Del Chak, on a fait la lia quasiment le même mois d'août, l'année dernière. Et que je pense qu'en réalité, et plus tous les rabbanim qui sont autour, hein, je ne peux pas tous les nommer parce que j'ai peur de les oublier, mais il y a tellement de rabbanim, il y a tellement de synagogues, il y a tellement de batei midrashot, il y a tellement de shiurim, il y a tellement de femmes qui veulent étudier la Torah, il y a tellement d'enfants qui veulent aller dans une école religieuse, il y a tellement d'envie de boire cette Torah que la Kedusha s'est installée, non plus à Tel Aviv, non plus à Yerushalayim, mais entre autres à Netanya. Et qu'on sait très bien que lorsque la Kedusha arrive, la Sitra Ahara dit le Zohar Kadosh. Cette force d'impureté totale, cette force négative, elle rentre dans ce domaine-là. Et il y a un combat à faire. On est au courant que tous les vendredis après-midi, il y a le Issahara qui rentre. Et nous, on rentre à la maison et puis on voit, ah, c'est tout, t'as fait que 15 salades, elle est où la 16e, elle est où la 17e, elle est où celle de ma grand-mère, etc. Quoi, t'as fait l'abkela, encore l'abkela, et cette chaleur qui fait, viens, on fait un poulet rôti. Et on commence à faire des histoires. On veut brancher la plata, elle saute. Le koukoum, il saute. Et il y a quoi? Soit on explose, soit on se met en colère, soit on dit, on accepte que ce qu'un jour vous fait, c'est pour le bien. Aujourd'hui, et Erev Shabbat, où on est depuis, Baruch HaShem, depuis plus d'une heure, après avoir fait des slichot, avoir écouté Rav Lechak, Rav Nakash, Rav Cohen, et je suis venu pour l'atterrissage, de comprendre que tous les mots qui ont été prononcés, toutes les tfilotes qui ont été lancées à Kadosh Baruch Hu, toutes les kabanotes qu'on a pu mettre, hein, aussi petites soient-elles, elles sont montées chez Kadosh Baruch Hu. Manifestation, qu'elle ait lieu ou pas, c'est pas ça qui est le plus important. C'est savoir que Eretz Israël restera Eretz Israël. Les Chachamim disent que sur un verset de Tehilim, numéro 89, Olam Chesed Ibané. Le monde sera construit par ce qu'on appelle Chesed. Chesed, c'est faire du bien à autrui sans attendre rien en retour. Un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, on dit que leurs fautes sont pardonnées. Ils acceptent cette nouvelle vie. Et donc, puisqu'il y a une nouvelle vie, alors c'est que véritablement il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer dans leur quotidien. Rav Dessler, il dit la chose suivante. Il dit que on croit que pour donner, il faut d'abord aimer. En réalité, c'est le contraire. Pour aimer, il faut d'abord donner. On aime celui à qui on a donné. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à un autre homme? Ils ont les mêmes loisirs, ils ont les mêmes passe-temps, ils ont les mêmes kiffs, ils ont les mêmes hobbies. Alors qu'un homme et une femme, à Kadosh Baruch Hu, il a fait comme cela, la chose. Qu'un homme et une femme sont complètement différents, à tous les niveaux. Il n'y a pas quelque chose qui les ressemble sur un point. Tout est différent. Et la Torah le dit, noir sur blanc. Ki ikar ish isha. Un homme prendra une femme. Et lorsque la Torah, elle parle dans Acharemot, cette paracha qu'on a lue le lendemain de Pessah en Israël, que on lit aussi la première nuit de Yom Kippour, le jour par excellence du Ta'anit, où on demande à chacun d'entre nous de pleurer, de prier, de faire teshuva, de faire en sorte que notre vie change, on lit dans cette paracha de la Harimot que, certes, un homme et un homme, c'est Toraïva. Akadosh Baruch Hu, il a horreur de ça. Il le rejette complètement. Mais n'oublions pas le contexte, c'est qu'on parle aussi que l'inceste est interdit, que l'adultère est interdit. Je me rappelle, il y a 3 ans, en 2016, en juin 2016, mon maître, Rassitrouk Zichrono Livracha, animait une chronique hebdomadaire tous les vendredis matins sur la radio juive. Et il avait parlé de cette Gay Pride qui avait lieu, je pense, déjà à Yerushalayim.
À peine il avait fini son intervention à la radio, que sur tous les réseaux sociaux, il avait été maudit, il avait été montré du doigt, il avait été blasphémé, critiqué, insulté, alors que il n'avait dit que les paroles de la Torah. Qu'à celui qui s'en prend au rabbani, qui vienne, qui prenne le Sefer Torah, et qui le brûle, qui le jette à la poubelle. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Et donc, il m'avait rapporté, puisque c'était quelques mois avant sa psira, avant son décès, il m'avait dit, sache que l'été, c'est toujours chaud. Le calendrier fait toujours en sorte que juillet et août correspondent à ces deux mois qui sont les mois les plus difficiles du calendrier juif. C'est en effet, le Ben Ishraï rapporte que sous les 12 mois qu'il y a dans une année, Akadosh Baruch Hu avait prévu dans son plan divin dans la création qu'il y aurait eu 4 patriarches. Nous on connaît 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On connaît 3 patriarches, Abraham, Israël et Yaakov. Quel aurait été le 4e patriarche? Razak, Esav, le frère jumeau de Yaakov. Et Ben Ishraï rapporte sur cet enseignement-là que Tishri Chejouan Kislev, c'est Abraham. Tevet Shvat Adar, c'est Israël. Nissan, Iyar, Sivan, c'est Yaakov. Tammuz, Av et Elul, c'est Esav. Mais dit le Ben Ishraï, on a déjà récupéré un mois sur les 3 de Esav. Mois de Elul. On a déjà fait une petite entrée en matière, hein, Rav Israël, à l'Islechot. Je sais que Rav Israël, il adore l'Islechot, qu'il aime bien sous le veto. Une entrée en matière. Et il reste quoi? Il reste Tammuz et Av. Ces 2 mois sont les mois les plus difficiles. Et le Ben Ishraï rapporte que le mois de Tammuz commence par la lettre Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Av, c'est la première de l'alphabet Aleph. On passe de la dernière à la première. C'est la chute. La chute des tables de la loi, c'est F, le Ta'anit, s'il y a pas ma chère qui vient dimanche prochain. Chute des deux temples qui ont été détruits le 9 Av à des époques différentes. Mais il y en a l'Alacha dans Shulchan Aruch qui dit que lorsqu'on monte à la Torah, on ne finit jamais par un Siman Ra. Il faut toujours trouver un Siman Tov. La seule exception, c'est la paracha de Balak. La paracha terminera en disant « Vayu Amatim, à cause de cette épidémie, il y a eu 24 000 élèves qui sont morts. » Point final. Parce qu'en réalité, il y a une suite sur Pinchas. Je reviens dans un instant pour terminer. Et donc, la Lacha dit qu'on finit toujours par une fin, un Siman Tov. Alors, on ne peut pas s'arrêter sur cette appellation de Av qui est la chute, il faut repartir. Qu'est-ce qui suit le mois de Av? Le mois de Elul, qui est la lettre Aleph, pour arriver à Tishri, la lettre Tav. Et là, on est dans cette élévation, on est dans cette Aliyah, on est dans cette possibilité de monter et de pouvoir faire Teshuvah, de pouvoir changer. Alors, quelle est la suite de cette fin, de ce parasha? C'est que Pinchas, on dit que c'est Eliyahu, et que Eliyahu, il est présent à toutes les Brit Milot, à travers le monde entier. Chachamim pose la question, comment ça se fait que tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, du samedi soir au vendredi après-midi, dans la Amida, on dit « Kiata shomea tefilat kolpe » car tu écoutes à Kadosh Baruch Hu la prière de chaque bouche, de chaque personne, de chaque homme, de chaque femme. Pourquoi le mot « bouche » Parce que le mot « paix » qui veut dire « bouche », s'écrit « P » et « He », mais la numérique 85, qui est la numérique du mot « Mila » 85, pour dire que lorsqu'on rentre dans cette Brit Mila, dans cette alliance, alors on se doit de se la préserver, de faire attention, et de faire en sorte que chaque prière que l'on va faire, eh bien, Akadosh Baruch Hu écoutera. Surtout lorsqu'on l'a fait barabim, alors la tefila nishma'a tamid, elle est toujours entendue. Alors même si cet après-midi, Chavé Shalom, il pourrait être des centaines et plus, même nous, on n'était pas centaines, mais c'est pas grave. Parce que chaque personne qui était présente ce matin, et chaque homme, et chaque femme qui était présente, était pour Akadosh Baruch Hu un sentiment de nachat, de sérénité, qui fera que
toutes les guiséros cachot et raot qui planent au-dessus de nos têtes, alors, et merci à Hachem, que je vous offre, il soit mevatel, et qu'il envoie cette geoula tant attendue. Il faut juste faire un petit effort. Rachanim disent que entre le mot gola, diaspora, et geoula, délivrance, il y a juste une lettre à rajouter, le aleph. Le aleph, c'est deux choses. C'est un, l'unicité de la Kadosh Baruch Hu, et deux, ça veut dire aussi la volonté d'apprendre. Je ne peux pas apprendre la Kabbalah si je n'ai pas appris la Gemara. Je ne peux pas apprendre la Gemara si je n'ai pas appris le Tanakh. Je ne peux pas apprendre le Tanakh si je n'ai pas appris l'alphabet. Et l'alphabet commence par le aleph. Et le aleph, ce sont deux lettres dans le langage de la soufroute, de l'écriture. C'est un kaf et un vav. C'est 26. Pour dire que véritablement, il y a la Kadosh Baruch Hu qui est omniprésent, qui est là à tous les instants. Alors à nous de faire en sorte que le mois de Av et le mois de Loul qui se rapprochent et commencent par un Aleph donne cette possibilité, non seulement de 26, mais aussi 26 fois 2, 52. 52, qu'à Kadosh Baruch Hu puisse en force que nous puissions avoir des enfants et des petits-enfants, et que ces enfants seront un Tikra Banaïr et la Banaïr. Ils seront des constructeurs de la Torah. C'est comme ça que le monde doit se faire, et personne ne pourra remettre en question ni la Torah, ni à Kadosh Baruch Hu, et encore moins ceux qui la véhiculent, ça veut dire vous et nous, ça veut dire ceux qui sont les serviteurs à Kadosh Baruch Hu. Amen. Kenny Rassa. Zach, dans le courage de la Bota, je voudrais vous demander de terminer en beauté. On va chanter un petit chant. On va d'abord remercier les Rabbanim qui ont brillé par leur enseignement lumineux. Je pense qu'ils ont éclairé totalement la ville de Natania. À Zrat Hashem, il n'y aura plus d'obscurité. Amen. Alors, on va chanter ensemble. Rachel, 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 Rachel.